Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve pour la suite de l'Odola Noyo. On va prendre Risa, qui est un peu en retard. Voilà, et on était à Danelf. On avait croisé le groupe de Sion là où. Le groupe de Sion. Putain, je viens de comprendre. Regardez comment elle est faite cette salle. Ça fait ça. Et là, il y a ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, on voyait un escalier avec un truc comme ça. Mais ça servait à rien, il y avait un escalier avec un petit morceau de salle et il y avait rien dedans. Ça se trouve, ils ont réutilisé le... Ils ont réutilisé le comment dire, l'espèce de map, quoi, de la maison pour faire les autres maisons. Mais ils les ont pas modifiés. Bon, ça m'étonnerait quand même. Voilà, donc là, faut sortir et rentrer. Et on assiste à l'éclipse. Ah, pas mal la tête de pipe, hein. Ah oui, quand même. Ah, ça c'est nouveau par contre. Voilà, donc là on a plus rien à faire ici, bizarrement. On peut pas aller au château à gauche, en bas là. Donc on doit passer par là et aller voir l'église. Je vous le rappelle, est aussi le champion de la Tour des Braves. Donc voilà, pour rentrer dans le château, il faut aller voir Doug, le frère de Sion. Du coup, il faut retourner par là. Bon, les combats, on va les... Ça sert à rien de les faire, franchement. De toute façon, il donne 10 PO et 3 XP, ça sert à rien. C'est même pas une expression, il donne vraiment 10 PO et 3 XP. Hein. Bon, un truc du genre. Attendez, on va en faire un quand même pour voir. Putain, je vais tuer même pas d'un coup, quoi. Bon, ok, j'étais un peu mauvaise langue. Et c'est quand même nul à chier, quoi. Voilà, donc là on a déjà la nuit qui tombe. Hein. Là, c'est sympa parce que ça donne une idée du voyage. Donc ça c'est le château Crigno. Hop. Et on va parler à Doug qui doit être donc... bah, on connaît sa maison, hein, c'est chez le docteur Castagna. Alors, par contre je ne sais plus où c'est du tout. Ah oui, petite info, hein, j'ai que 170 PO. Je suis complètement à sec. Dans le scénario de Risa, j'ai vraiment rien. Alors, il est où Doug? Ah oui, ça serait pas là. Par là, je crois. Ah, ça doit être ça, sa maison. Non, pas du tout. Non, mais putain, il est où déjà? Mais non, mais j'ai fumé. Attendez. Bon, c'est sûr, c'est bien à Vade. C'est là alors? Non, mais c'est pas chez le docteur Castagna alors. C'était bien ici le docteur Castagna? J'ai un doute maintenant. Peut-être là, peut-être là. Ah oui, voilà. Ouais, c'est là. Mais c'est pas chez le docteur Castagna, c'est chez lui en fait. Chez lui et Sion. Le docteur Castagna, c'est pas dans cette ville. Enfin, je crois. Je dis peut-être des conneries.
Mais je me rappelle que la maison n'était pas faite comme ça. Je vais vérifier. Bien ça. Que c'est logical. Ah, j'aurais cru que c'était un fusil, mais non. Logical. Ah, ok. J'ai déjà mieux. Ah, quoique. Peut-être pas pour elle. Deux de défense en moins. Mais 4 d'esprit. Ouais, je vais le faire parce que c'est la seule mage du groupe. Du coup, j'aurais pu prendre ça dès le début dans le cerveau de Sion. Bon, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Ok, ok. Bon, ma gauche, château. Ah, il ne faut pas passer par là. Ah, mais ce serait pas là. Chez Castagna. Non. Non, non, c'est définitivement pas dans cette ville. C'est-à-dire faut sortir par la gauche. Donc là c'est pas moi qui ai le palcendant de toute façon, hein. C'est juste que fallait pas passer par là. Ouais voilà. Faire comme ça, voilà. Et là on arrive à l'autre entrée. C'est trop lourd de s'entendre dire ça tout le temps. Alors je pense qu'il faut aller tout droit comme un attardé. Hein. Eh mais attendez. Il n'y avait pas un coffre ici. Si si, il y a un coffre. Ah, on va aller là d'abord. Après le dialogue avec le roi, faudra aller voir les coffres. Il me semble qu'il y a des coffres. Il y avait un coffre rouge, un coffre vert, un coffre bleu, près de la prison. Le vieil érudit, c'est le docteur Muni. Hein. Il y a Pipin au milieu, il comprend rien. Attention. 1 million, 1 million. Là on se dit putain, on va recevoir 10 000 PO.
con, il l'appelle. Essaye. Sous merde. Salut. Amène l'argent. Moi je démissionne direct, je suis garde ici. Mort de rire. On lève le salaire de Sion. C'est-à-dire qu'en tuant un ennemi dans n'importe quel endroit du jeu sauf ici, on gagne plus que son salaire d'un mois. Hein, mais voilà, c'est tout. On peut essayer d'aller à la prison si on peut. Hop. Yes, voilà. Du coup, elle c'est rouge. Non, elle c'est vert. Non. Vert ou bleu? C'est vert. T-Bolt. T-Bolt, qu'est-ce que c'est? Une armure. Et lui, il a quoi? Non, bon, on peut le mettre soit l'un, soit l'autre. Ouais. Bon, allez. Costaud quand même, hein. Ça fait plus du double de notre défense. Et pas loin du double de notre défense magique. On dit pas non. Hein. Tac tac tac. Bah voilà, cette vidéo est terminée. Non, je rigole. Enfin, pas loin n'empêche. Parce qu'en fait, après, on va entamer le jour suivant. Ah, ils font chier de pas nous laisser passer par là. Donc là, en fait, vu qu'il reste environ 10 minutes de vidéo, enfin un peu moins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se perdre dans le château pendant 10 minutes pour essayer de sortir. Et puis la vidéo sera terminée. Donc on va passer par là. Alors, en vrai, ça devrait pas être trop compliqué. Non. Selon toute logique. On passe par là. Voilà, c'est bon. Quand même, je suis pas si con que ça. Non, tu rigoles. Mais attends, mais c'est pas la sortie d'habitude, ça. Ah si, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Mais il nous laisse pas sortir. Mais what the fuck. Ah, faut sortir par l'entrée principale maintenant. Ils sont chiants, hein. Un coup faut sortir par l'entrée principale, un coup faut sortir par la vraie, par l'entrée de gauche là. Ah ouais ouais, maintenant faut sortir par là, bon. Si tu veux. Et en plus ça nous amène là, ouais, bon, y a aucune logique. Donc voilà. On a fini le jour. Je l'avais dit que ça allait être court. Alors là, le petit truc chiant, c'est que soit je commence le jour, mais du coup ça fait des jours à cheval sur plusieurs vidéos, ce que j'aime pas trop. Soit j'arrête la vidéo là et au pire ça dure trop longtemps, le jour d'après, bon, on le fera en deux vidéos. Parce qu'en fait, un jour en deux vidéos, ça me dérange pas, mais deux vidéos sur le même jour, enfin, comment dire, une vidéo où il y a deux jours différents, ça me fait chier en fait, parce que j'aimerais bien que ce soit bien découpé. Donc là je pense que je vais arrêter là en fait, même si ça fait que 15 minutes, c'est pas grave. On va se mettre là, donc en fait il faut aller juste en dessous là, ici là. Voilà, donc on va se soigner, on va aller à l'auberge, on va se soigner et puis on va faire le jour d'après. Je pense que je vais faire le jour suivant. C'est un jour assez important. Et après je ferai Silent, quoi, je pense. Ah, donc on va faire encore un jour avec Risa puis Silent. Et on a toujours pas assez d'argent pour s'équiper. Au moins ce qui est bien, c'est que ça c'est mieux. Open Helm. C'est pas le truc que j'avais tout à l'heure, ça. Ah non, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Ok. Bon, on va vendre. On peut vendre ça. Ah, mais elle peut porter ça, elle. Putain, mais attends. Ah non, lui, c'est une arme à deux mains aussi.
Ah, ça commence à être chiant, là. Je sais pas si je le mettrais pas en arrière avec son arc, en fait. Ah oui, au fait, hein, je m'étais gouré. Pour les équipements, on peut bien les retirer, faut faire à gauche et enlever après. C'est un peu pourri. C'est pour ça que j'étais un peu à la ramasse. Bon, après, là, ça augmente que de... Ouais. J'espère que ça attaque au moins tous les ennemis, sinon c'est un peu chiant, quoi. Et du coup, on va la mettre en arrière. Ce qui est con, parce que Garlil, c'est celui qui a le plus de vie. Et c'est lui qui est derrière. C'est un peu débile. Mais ouais, on va les laisser comme ça, on va tester. Du coup, est-ce qu'on peut encore vendre des trucs? On va pas vendre l'épée de Risa et son bouclier. Petit buckler. On va vendre celui-là, par contre. Voilà. Celui-là, on le vend. Celui-là... Comment ça? Ça aussi, ça augmente? Ah oui, parce que ça augmente une stat, donc ils mettent comme si ça augmentait, mais... En fait, ça augmente de la merde, c'est nul. Ouais, on va le vendre. Mince! Je croyais que j'étais pas dans le menu du marchand. Ouais, donc on va vendre ça. Voilà, ça nous fait 1100 PO. Et on peut acheter quoi avec ça? On peut acheter ça. Faudrait calculer un peu. Bon, tout ça, c'est bien, mais en fait, c'est nul pour Risa. Puisque elle a un truc qui augmente la défense magique. Ouais, bon, en gros, il n'y a que le casque à 280 qui est pas mal. Et là, on va faire. Ouais, mais j'ai pas envie de lui mettre des. Ouais. Bon, au final, il n'y a rien quoi. Ouais, vous savez quoi, on va juste prendre le casque à 280. Parce qu'après, le reste. C'est pas forcément mieux que ce qu'on a, parce que c'est des armes à distance, les autres c'est mieux. Et de toute façon, dans le prochain donjon, on va avoir pas mal d'équipements pour les persos. Parce que là, on commence, à partir du jour 5, on commence à rentrer dans des donjons où il y a beaucoup d'équipements. Ce qu'il n'y avait pas avant. Putain, mais c'est nul à chier en fait. Oh là 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 là. C'est chiant. Hein. Il devrait monter les stats et monter ce que ça monte. Parce que là, en gros, ça te monte de 1 point de stats et puis ça te nique toutes les autres stats quoi, c'est nul. J'aurais pas dû l'acheter, bon c'est pas grave. On va arrêter la vidéo là, je vais me reposer à l'auberge, je vais me soigner. C'est où déjà? C'était en haut je crois. Ah c'est là. Là faut remonter. On va pas oublier de faire un petit truc avant. Oula, tout ce que j'ai. Ça je vois pas à quoi ça sert. Non ça sert à rien, on est d'accord. Voilà. On va mettre le sort super utile là, qui est... La vidéo va quand même faire 20 minutes au final. Bon, tant mieux, de toute façon. Pawa. Voilà, maintenant je le connais par cœur. Ah, je peux. Voilà, c'est bon. Ça sert à rien. Ça non plus. Ça on va mettre Sakura. Oh non pas Sakura, Megami pardon. Megami. Megami. Voilà pour avoir un meilleur soin. Pff, ça sert à rien ce truc. On va le foutre là. Ça c'était pas mal ouais. Animu, ça sert à rien non plus. Parce qu'Animu sous c'est mieux. Du coup, on va mettre. Tiens, on va mettre un des sorts que quelqu'un avait proposé. Je crois que c'était Drago. Sakura. Ce qui fait penser à la chasseuse de cartes. Ça veut aussi dire cerisier d'ailleurs en japonais. Voilà, ça fait des dégâts de vent. On va le foutre là. Tiens, on va le foutre à côté de Zaka. Parce que. Des gars devant aussi. On va mettre ça là. Ça, on va l'enlever. On va faire comme ça. Voilà. Mettre les sorts utiles en premier. Puis il y avait quoi qu'on m'avait proposé aussi en... Waluigi. Alors. Ouais, des trucs, j'ai aucune idée d'où ça vient. Waluigi, mais c'est pas le nom de quelqu'un ça?
Si, 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 c'est un gars de Nintendo, je sais pas quoi ça, non? Je sais plus. Si, si, ça c'est le nom de famille d'un mec qui existe en vrai, je sais pas qui c'est, mais... Je crois que c'est un mec de Nintendo, je suis pas sûr. Bon. Vous me le mettrez dans les commentaires. Perfect Link me le mettra. Bah, attaque de feu surtout. Bah écoutez, c'est pas mal ça. On va le foutre là. Ça, c'est pas terrible. On va l'enlever. Ça aussi. Voilà, parce que ça c'est du bon sort après. On va faire comme ça. Voilà. J'aime bien quand c'est un peu rangé. Pura, bah c'est pareil. Dégâts de terre. Terre sur tous, feu sur tous, vent sur tous, foot sur tous. Bah après, vent et foot c'est la même chose dans le jeu, donc c'est pas forcément utile, mais voilà. On a un peu de tous les éléments comme ça. Je me suis soigné, non? Voilà, on va se soigner. On sauvegarde, et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour un jour beaucoup plus intéressant que celui-là, parce que là c'était à peu près que du dialogue. Voilà. Donc à la prochaine vidéo, ça va être cool. Salut!